Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la plateforme sur un nouvel épisode de Elite Dangerous. Donc nous changeons un petit peu d'endroit, nous déplaçons de Dwemta. On va partir de Dwemta vers un autre système tout simplement. Hop, j'essaie de déplacer un petit peu mon setup de jeu. Hop, voilà, parfait. Et maintenant on attend de pouvoir décoller. C'est parfait, oula. Ça a failli. Je l'avoue, ça a failli. Hop. Parfait. On sort. Ça c'est joli, c'est un python qui vient de rentrer juste à côté de nous. Un python joueur en plus. Et donc on va se déplacer, vous voyez, on va aller au système Turir, donc on a 6 sauts au total à faire, donc celui le premier plus d'autres. Hop. Et nous voilà partis. Donc j'espère pouvoir faire ce qu'on appelle un loop, c'est-à-dire comme on faisait actuellement avec Gernsback Terminal, c'est-à-dire tourner entre deux stations et en faire un bénéfice. Apparemment, le bénéfice potentiel... Le bénéfice potentiel de cette zone serait de 2400 unités par unité de stockage. C'est-à-dire que sur un aller-retour, je me ferai normalement, je me ferai 208. Attendez, je vais vous calculer ça. Parce qu'au total, ça me fait un aller-retour, ça me fait 208. Alors, je vais faire je vais couper les moteurs. Voilà, on va faire le compte. 545 fois 104 plus 904. Ouais, c'est ça. C'est donc ça. Ça me fera à peu près 250 000. 2486 fois 104. Ça me fait 258 000, voilà, au total. Je vais donc me faire 258 000 crédits au total par aller-retour. Ce qui est plus, je crois, que nos 150 000 actuels, je pense. Ah, je sais pas ce que vous en pensez. Hop, je vais essayer de m'arrêter là pour pouvoir récupérer un petit peu de carburant. On a quand même 5 sauts à faire derrière. La chaleur ne monte pas trop vite en plus, c'est parfait. Bon, on va repartir, on va faire un plein au prochain. Hop. Et on verra ensuite... Oula. Non, tu veux pas arrêter de charger? Non, c'est mort. Alors, mes modules ont donc un vieux coup dans le nez. Voilà, c'est pas grave. Je joue au con, je suis perdu dans tout ce que je veux dire, tout ce que je veux faire. Et tout à l'heure, donc, on parlera aussi de la possibilité de changer de faction. Ou de supprimer toute faction, d'ailleurs, de comment de... Du powerplay, on verra ce qu'on va faire comme choix et on verra si c'est raisonnable. Hop, on accélère. Ne vous inquiétez pas, on va faire au moins un loop pour vérifier si les prix sont bons. Alors apparemment, ça va être assez rapide aussi. Alors ça, par contre, on pourra pas faire le plein dessus. Malheureusement. En espérant que le prochain on puisse. Hop. C'est là qu'un... Je vais voir les différents modules que j'ai. D'accord. Tant pis. J'allais dire c'est là qu'un comment que ça s'appelle, qu'un découvreur, un truc de découverte aurait été utile. Je rappelle aussi, il me semble qu'il faudra qu'on voit aussi pour un autre propulseur FSD. Ouh là là, ça c'est dangereux cet endroit là, je déteste ça. Hop. Tous les 10. Ah, c'est sympa comme nom ça. Hop.
Je rappelle que chargé, là, actuellement, je peux faire des sauts à 20 jusqu'à 22. Chargé, je ne peux en faire qu'à 15, 15,10. Donc, il me semble avoir parlé du fait que je devrais améliorer mon vaisseau quand j'aurai 1 400 000. Donc, je crois que pour 400 000 crédits, je pourrais avoir un meilleur saut FSD. Ce qui pourrait être pratique. Vous en conviendrez. Parce que je pense que là, je me bloque à 15,1. Je pense que pour un peu plus. Ah, on pourra faire le plein ici, c'est cool. Hop, faisons le plein. Hop, parfait. Parfait. Hop, je vais essayer d'aller voir au passage. Ah, effectivement. Température est critique. Je pense que quand on n'a pas de bouclier, on prend plus de température. Enfin, plus vite en tout cas, je pense. Parfait. Hop. On va se diriger là. Apparemment, je peux pas mettre 15,1 donc sur le site sur lequel je vais. Donc eddb.io, ça permet de vous apprendre comment je fais pour trouver mes routes. Donc voilà, je vous invite à essayer vous-même. Il propose différents types de routes. Moi, je fais plutôt dans le loop. Bon. Pour le reste, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Quant à moi, je vais me diriger vers Turir. La station en question s'appellera Brooks Terminal. Hop. Température monte violemment quand même, hein. Hop, on retente. Le faire, ça devrait le faire. En plus, elle est un petit peu moins loin. Il me semble qu'on avait 250 à peu près 250 secondes lumière avant d'atteindre là, comment la station. Là, on va être à 105, ce qui va être un peu plus rapide en plus. Donc, je pense qu'on va avoir plus de monnaie sur le en plus de bénéfices sur le trajet unique, sur l'aller-retour unique, mais aussi plus sur le comment que s'appelle le mince, je me rappelle plus comment ça s'appelle. La durée, tout simplement. Hop, vous voyez 40 SL, ça va être assez rapide. Hop. Parfait. Hop, on est déjà en train de freiner. J'ai quand même l'impression qu'il y a une mini-étoile. Une étoile ou c'est une planète? Espèce de planète jaune, non? Ça m'étonne. Une planète jaune, non, c'est bien ça. Bon, là, voilà autre chose. Alors, en approche. Parfait. C'est parfait. La poche pas très vite quand même. Hein. Et je suis à fond là. Non, t'es sérieux? What? What? C'est quoi ce bordel? Vous voyez le problème d'interface? S'il n'est pas présent. Je m'échappe. Merci. Interception évitée. Espèce de vilain. Alors, la voilà. Hop. Et on est bon. Hop, c'est bon. L'avantage là, c'est qu'il n'y aura pas d'anneau autour. Donc on évitera des chocs avec les anneaux, comme vous pouvez le voir. Par contre, encore faut-il trouver la bonne entrée.
Mais bon, je pense que si je booste un petit peu. Hop. J'espère en tout cas. Hop. Si je ralentis, est-ce qu'il le fait tout seul? Ou est-ce qu'il me fait foncer dans le... Foncer dans le mur? Non, oui, non, je ne sais pas. Apparemment, c'est bon. Ah bah, c'est cool. Bon. Alors, il faudra qu'on achète des séparateurs de résonance, je crois. Pour aller donc dans une autre station. Et on reviendra avec du tantalum. Tantalum, je ne sais pas ce que c'est du tout. Ah, la petite musique. Alors, je sais pas si j'ai accès à la vision. Alors, attendez, je vais en profiter, tiens. Vu qu'apparemment... Hop. Commande. J'aimerais avoir accès à la caméra extérieure. Comment je fais? Réinitialiser la vue subjective F7. Souris inversion vue subjective. Et là. Oh putain, j'ai peur quand je le vois rentrer dans des trucs comme ça, moi. Vue subjective. Vue, mode bouton, alterné. Souris 3. Ah bon? Et F7 pour le faire rentrer, c'est ça? Pour le réinitialiser? J'ai cru voir ça tout à l'heure. On va bien voir. Personnellement, je vois pas de différence. 1, 2. Je sais pas. Faudra que je me renseigne, chers amis. Si des gens le savent, mettez ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Je pourrais au moins le faire pour vous. Donc, faire le plein. Réparer. Tableau d'affichage, déjà, pour commencer. Nous nous rendrons ensuite à Balmung. Balmung. Avec un peu de chance, vu qu'on est amicaux envers l'Empire, peut-être avoir un peu plus ressources requises. L'épidolite. D'accord, intéressant. Intéressant tout ça. Les mines, c'est pas pour les mineurs. Ok. Apparemment, on n'a pas grand-chose quand même. Hein. Bon. On va aller voir rapidement l'équipement, ce qui va nous faire rentrer le vaisseau déjà. Au passage, on en profite. On peut pas aller voir, non? Pas du tout. Dommage, j'aurais bien aimé en profiter pour tout simplement préparer le voyage donc de départ. Hop, mais apparemment, c'est pas possible. Interne, réacteur FSD B, voilà. Voilà où est le problème. Il vaut 1 600 000 pour passer à 18. Alors j'ai quand même faire un test. Si je passe à 18, ici, est-ce que ça change quelque chose? Eh oui, effectivement, ça change des choses. On passerait donc, avec un 18, on passerait à un profit total de 3000 crédits par objet. Donc 3000 x 104, vous allez voir, c'est beaucoup plus. Donc très exactement 3002. 104, ça ferait 312 000 par transport, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Et pour un déplacement encore plus rapide, parce qu'il y aura un total, au total de déplacement de moins de 100. Si je passe, juste pour voir, à 19, parce qu'on a 18,45, si je passe à 19, est-ce qu'on aura quelque chose de mieux? Est-ce qu'avec 19, on aura quelque chose de mieux? Même pas. Oh là là! C'est intéressant tout ça. Donc là, actuellement, on va se faire 212 000 par transport, donc ça pourrait être intéressant aussi. Donc, on va prendre. On va prendre. Système survie, répétiteur de puissance, capteur.
Nya nya nya. Ok. Ok, parfait. On va donc prendre, on va au marché. On va donc prendre. Du coup, j'ai perdu ma route. Alors, je recommence tout. Hop, 15. Hop. Voilà. Des séparateurs de résonance ou un truc comme ça. On va bien voir. Esclave, machine, générateur, matériel industriel. Métaux. Séparateur à résonance, on va en prendre pour 562 000 crédits. Voilà. Et on se dirige, attention, navigation vers Balmung, le système Balmung, qui ne doit pas être très très loin. Balmung, voilà. On décolle. Vous voyez qu'on est amicaux avec la station. Et on va se faire ici donc un profit total de 250 000 crédits par aller-retour. Attention, par aller-retour. Je dirais qu'ici on va se faire un profit de 160 000 à peu près. Et à peu près 90 000 sur le retour. Ah, ça, je déteste ça. Non, c'est faux. Tu n'as rien, vaisseau. Tu n'as strictement rien. Hop. C'est parti. Alors. Hop. On gère le passage. Parfait. Comme d'habitude, chers amis. Hop, on rentre le train d'atterrissage, on booste. Il n'y a pas d'étoile là en plus, ça va être parfait. Excès de vitesse. Oh mince. Ils ont traduit ça. Les trous de cul. Hop, et on part. Hop. C'est parti! Hop là. Boum. Donc 250 000 par. Hop. Il nous fallait à peu près 20 000. Pardon. 20 millions pour avoir le meilleur. Un Lacan type 7. Qui sera bien mieux. Ici, nous allons donc à la Ruppelt Station, doit être la première aussi, qui se trouve dans notre dos, c'est bon à savoir. C'est parti, et vous voyez qu'il se trouve à 107 SL, donc ça va être assez rapide encore une fois. Et encore une fois, je vous le rappelle, une fois qu'on aura, comment dire, un peu plus au niveau de comment de nos réacteurs FSD, on pourra passer à 300 000 par trajet. Ce qui est loin d'être inutile. Ah, ça c'est pas bon par contre. Et ça c'est une IA. Et là il va m'avoir, je pense. Il va m'avoir, je pense. Il va m'avoir, je pense. Il est bon en plus. Le sac. Hop, non, c'est bon, je l'ai eu. J'ai réussi à l'esquiver, nom de Dieu. Non sans difficulté, hein. Hop. Et avec un peu de chance en plus au niveau de l'amitié qu'on a avec l'Empire, on va peut-être avoir
potentiellement démission. Dû à cette amitié. On est allié, il me semble, avec l'Empire. L'Empire, on est amical. Je suis toujours ça de près. Me direz-vous. On approche. Parce qu'on arrive assez vite malgré tout, mais bon. Peut-être dans ma tête que ça se passe. Donc s'il nous faut 500 000, il faudra qu'on atteigne les 2 100 000 minimum pour pouvoir acheter le réacteur FSD et rester compétitif. Donc je pense qu'on s'arrêtera à 2 500 000 pour être très précis. 2 500 000, c'est les choses qu'on se fait en 10 trajets. Hein. 10 allers-retours. Hop. Potentiellement accélérer un petit peu, qu'on puisse quand même. Hop. Par contre, comme mes boutons sont deviennent un petit peu plus glitchy, ça va être casse-couille. Ok. Merci. Hop. Parfait. Eh ben, ça se passe plutôt bien tout ça. Ça se passe à merveille même, je dirais. Hop. Je croise les doigts pour avoir quelques missions sympathiques. Tout comme je croise les doigts pour reconnaître le prix de mon vaisseau une fois complètement amélioré. D'ailleurs, je vais peut-être aller voir le prix qu'il coûte actuellement. Je dirais bien, il coûterait bien 1 000 000 là, bellement. Total. Hop, parfait. Service de spatioport. Bonjour madame. Hop. Faire le plein. Tableau d'affichage. Tableau d'affichage. Merci. Spécialiste d'extraction platine. D'accord, ok, bah naze. Marché. Hop. J'ai sur moi des choses dans ma soute qui devraient vous plaire. Hop. Nous allons donc vendre. Pour un bénéfice net de 160 000 crédits d'unité de séparateur à résonance. Et on va repartir avec du tantalum. Je sais pas ce que c'est que du tantal. Là, du tantal là. Hop. On a acheté. Soute pleine pour 360 000 crédits. C'est plus que raisonnable. Hop. Et j'ai envie d'aller voir au passage. Chantier naval, est-ce qu'ils vendent? Le type 7. Eagle, Hailer, transport type 7, ils le vendent. Ils le vendent pour un total de 17 millions. Et moi, il me faut à peu près 19 millions pour le stuff. Il me coûte 2 millions mon vaisseau actuel. Donc, il me faudra que je monte à peu près. Si je veux garder toujours le. De quoi le stuffer comme je veux, il faut que je monte à 19 millions plus. Il faut que je monte à peu près à 21 millions. Une fois que j'aurai 21 millions, je pourrai passer à celui-là. Ok, c'est rentable. Ok, bah c'est parti, écoute. Demi-tour. On y retourne. Et on verra bien ce qui va se passer. Il est possible maintenant, en plus, que le soir, je fasse des lives. Ça va arriver. Ça y est, ça commence à être imminent, là, chers amis. Hop. Voilà. On est sorti. Ce qui m'ennuie un peu plus, c'est la position. Qui est presque bien dans l'axe. Hop. Hop. On le laisse charger, on va aligner par contre, ce serait pas mal. Pas d'alignement du tout? J'ai rien engagé en fait, c'est ça. J'ai pas pensé à faire le.
Quel abruti je suis! Quel abruti! Nous nous rendons donc. Alors, où est-il? À Turir! Hop! Et on relance le FSD. Nous étions à peu près à 900 000 crédits, il me semble, 910 000. On va voir combien ça va s'être fait sur le retour. C'est là que ça va devenir intéressant. Techniquement, on devrait être environ à 1 150 000 crédits. On verra bien, advienne que pourra. Je vais penser, j'ai déjà commencé à réfléchir quant au live. Il est possible que s'il y a des joueurs, des viewers à moi qui me regardent, je les fasse intervenir durant ces lives. Brooks Terminal. Hop. Nous voilà bons. Crac. On va peut-être réduire un petit peu la vitesse. Allez, je m'en doutais. Hop, allez, réduis-toi. Non, ça te plaît pas de te réduire. Loupé. Littéralement, un loop, c'est une boucle. Donc on l'a loupé. Hop. Nous revoilà face à face. Bon. T'inquiète pas. C'est bon. Hop. Malgré tout, cela aura été assez rapide, je trouve. À vous de me dire ce que vous en pensez, hein. Le plus long étant peut-être le déplacement en fait jusque dans l'intérieur du. Tiens, tiens, mais qui v'là? Bika. Hop. C'est parti. On y va. Nous y voilà, c'est parfait. Bon. Alors. Je suis amical, te plains pas. Il va pas oser. Il va pas oser m'attaquer là-dedans. Non, c'est bon. Allons-y. Bon. Actuellement, nous avons, il me semble, à peu près 300 000 de marchandises. Et on va se faire 350 000 de marchandises. On va se faire à peu près 100 000 sur cette-ci. Donc ça pourrait être intéressant. Revendeur 67%, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est pas rien, c'est pas rien. Quand on aura atteint le rang au-dessus, ça pourrait être encore mieux. Hop. Parfait. Ça se passe plutôt bien. Ok, parfait. On va entrer dans le hangar, nous. Service de spatioport. Voilà. Faire le plein. Marcher. Hop. Les voici, le tantale. Et attention, bénéfice net de 100 000 crédits pour un total de 463 000. Nous montons donc à 1 169 000. Nous avons donc fait 200, à peu près 250 000, à peu près, c'est ça, hein, comme prévu. Donc bah écoutez, je pense que c'est rentable. C'est assez rentable tout ça. Bon. Donc en 10 allers-retours comme ça, je vais me faire à peu près 2 millions. Des allers-retours qui prennent à peu près 10 minutes, un quart d'heure, je pense, hein. Vous me direz ce que vous en pensez, j'ai pas trop regardé. Mais bon. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la pouce-vériser, à la commenter, à la partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures sur Elite Dangerous.